Philippe Arache, je suis ancien élève de l'IPSA, sorti de la promotion de 1976. Je suis actuellement vice-président d'Eurocopter, premier constructeur mondial d'hélicoptères. Et j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur à parrainer la promotion 2009 de l'école. J'ai une activité professionnelle essentiellement consacrée à l'aéronautique depuis maintenant 34 ans. Je suis rentré dans un premier temps au bureau d'études d'Eurocopter, premier constructeur mondial d'hélicoptères. Il ne l'était pas à l'époque. J'ai fait toute ma carrière dans cette merveilleuse entreprise au sein du groupe donc ADS, plutôt de ce qui est devenu aujourd'hui le groupe ADS, l'aérospatial, lorsque je l'ai rejoint. C'est un groupe international que vous connaissez très certainement, hein, et qui a résulté de la fusion des activités aéronautiques et de défense de l'Allemagne et de la France, essentiellement, ainsi également que de l'industrie espagnole. Je vais mettre un terme à mon activité professionnelle sous cette forme dans les mois qui viennent. Mon successeur est connu, et ce sera un ancien de l'IPSA. Le poste qu'il quitte à la tête d'une filiale du groupe en Amérique latine, ce poste va être occupé également par un ancien de l'IPSA. Donc vous voyez que Eurocopter et EADS sont tout à fait favorables aux évolutions de carrière rapides et dynamiques. Et bien que j'ai toujours essayé de veiller, mais pas toujours réussi, hélas, à prêter de l'attention au recrutement au sein de notre groupe d'élèves issus de l'IPSA, je pense que je vais pouvoir apporter peut-être un peu plus encore à l'école. J'aurai un peu plus de temps disponible à consacrer à ce parrainage dont le nom dit bien ce qu'il veut dire, à savoir une forme d'encadrement de la promotion. Ma ligne téléphonique, mon mail seront toujours ouverts pour les élèves, entre autres de cette promotion, mais bien sûr pour tous les élèves de l'école.